Nos besoins ont épuisé les ressources de notre planète. Nous nous sommes donc aventurés au-delà de notre atmosphère. Cette nouvelle frontière constituait la promesse d'un nouveau départ. Mais l'isolement de l'espace a fait naître un mouvement sans aucun lien avec notre monde d'origine. Nouvelles règles, nouvelle ambition, un nouvel ennemi. Le front de défense des colonies a bâti une armée et s'est opposé à la Terre dans le sang et la violence. Ce ne sont pas des révolutionnaires. Ils veulent le pouvoir absolu. Ils pillent les colonies, volent leurs ressources et contrôlent les territoires par la force. Leur flotte nous bloque l'accès à des matériaux de première nécessité. Leur mission est d'éradiquer tout ce qui provient de la Terre. Aujourd'hui, le CEDEF est une machine de guerre, dirigée par son armée. S'ils avaient un leader pour les unir, alors ils viendraient pour conquérir notre planète. Warlord, ici Scar 1, en attente pour intervention. Bien reçu, 3-1. Le front de défense des colonies attaque l'un de nos centres d'armement. On pense que cela fait partie d'une opération, nom de code RIA. D'après nos renseignements, le front a pour cible une arme prototype. Votre équipe devra la mettre à l'abri et saboter le site avant que l'ennemi ne tombe dessus. Entendu, Warlord. On s'en occupe. Une minute. Présence Abby. Le site est abandonné. On récupère notre arme et on brûle les installations. Vérification de l'équipement. Système RMO activé. Et les règles d'engagement. Feu à volonté. Ok pour moi. 10 secondes. Porte. Feu vert, Scarpin, feu vert. On y va. Allez, allez. La température est de moins 150 degrés, faut pas traîner. Reaper, les Scars sont sur place. Reçu 1-1, insertion verticale au nord de votre position. Reçu, en route. Deux cibles repérées, en dessous. On descend, on les élimine. Sipes, passe devant. 1-1 à Reaper, troupe du CEDEF dans la zone. Contact avec l'ennemi. Reçu, je transmets. Terminé. Faut qu'on mette la main sur l'arme avant eux. C'est bon. Point d'entrée droit devant, à 30 mètres. On continue. Reaper, on approche du point d'entrée. Attention, forte présence du front dans le secteur. L'imagerie thermique n'est pas fiable en profondeur, soyez vigilants. Sentinelle sur le toit. Vol, prends-en une. On y va! En avant! On sort les chercheuses. Les ennemis dans le toit. Rien à droite. On se disperse. Notre arme est dans la chambre forte de l'arsenal, à 500 mètres d'ici. Puissance de combat rapprochée. Changez de viseur.
Vous croyez qu'ils ont entendu la détonation? Vaut mieux dire que oui. Alors on leur réserve un accueil digne de ce nom. Utilité de l'INSA reconnue. Bienvenue dans la division de recherche et développement d'Europe. Lancez une antigrade. Bien sûr. C'était quoi ça? Ils ont leur compte. Besoin de renfort sur ma position. Surveillez vos secteurs. Reaper, on est dans le secteur de recherche. On se dirige vers l'arsenal. Reçu. Attention, le 7-9 est pratiquement à l'intérieur. L'opération RIA ne doit pas réussir. Quand l'arme sera en notre possession, je pourrai activer la séquence d'autodestruction. Reçu. On s'arrête pas. Restez concentrés, on n'est pas tirés d'affaire. Allumez-les. On a dépassé le temps imparti, on a presque plus de carburant. Quelle est la situation? On arrive à la cible. Extraction dans 6 minutes. Terminé. L'arme est de l'autre côté. On les a coiffés sur le retour. Sipes, donne un coup de dent. Zone dégagée. Reaper, on est dans l'arsenal. On s'apprête à récupérer l'arme. Reçu 1-1. L'arme est dans la chambre forte. Démarre-le, Sipes. On va en avoir besoin. Caval, modèle compact, même système. C'est ça, la cible de l'opération RIA. Reaper, on a l'arme. Confirmez l'exécution de l'ordre d'autodestruction. Compris. Démarrage de la séquence d'autodestruction. Confirmé. Va falloir évacuer. Connectez la console pour initialiser l'opération. Reçu, on est en route. Rendez-vous dans 5 minutes. Pas de temps à perdre, on fonce. Tout le personnel doit quitter la zone sur le champ. Feu à volonté! Thank you.
On a besoin d'air. Mes hommes, ils ont besoin de soins. Vous vous inquiétez pour vos hommes. Quoi, Ria? La caméra ne transmet plus. Ça fait 18 heures, aucun contact, aucune demande du 7DEF. C'est pas dans leur genre de faire des demandes. Ils ont annexé notre planète, exécuté 3 hommes et abattu 1 pilote. Notre équipe était là-bas pour récupérer des armes secrètes sur un site fermé. Un complexe confidentiel, amiral. Qui a donné l'autorisation au fond de le survoler? Conformément aux accords, toutes les nations jouissent d'un accès libre. Et même, cet objectif nécessitait un groupe complet, pas 4 soldats. Lieutenant Reyes, je vous engage à plus de diplomatie dans ce bureau. Et à prendre un autre ton. Pardon. Qui d'autre est au courant? Pour l'heure, l'état-major de l'armée de l'air. Et vous? Ils ont commis un acte d'agression délibéré. On devrait être sur place, pas ici, à sortir les cotillons. Les règles d'engagement interdisent toute réaction définitive dans ces circonstances. Alors on reste sagement planté là, à regarder le défilé de la flotte? Lieutenant, comprenez-moi bien. Ma conviction qui rejoint assez fermement la vôtre est que nous devons riposter. Qu'est-ce qu'on attend alors? C'est des politiques, Reyes. Ils se torcheraient avec n'importe quel drapeau pour faire tourner la machine. Chez ces hommes, l'idée d'une offensive déclencherait des fuites urinaires incontrôlables. Avant la guerre, l'armée n'a pas de pouvoir. Mais le temps qu'on soit en guerre, il sera trop tard. La moindre hésitation est fatale, vous nous l'avez assez répété en cours de pilotage. Trouvez et réglez le problème. Vous avez toujours appris vite. Le commandement stratégique a conscience de la grogne. Pour l'instant, il est hors de question de recourir à la force sur le terrain. Ce sont les lois de la guerre. Merci pour le briefing, monsieur. Amiral Reins, E3N est en position sur le toit. Très bien, merci. C'est quoi, E3N? Allez voir par vous-même. Vous n'allez pas en revenir. En paix. Combien? 4. Ils sont morts. Sur Europe? Le front était là. Ils les ont tous tués et ils ont pillé le site. Oh, sale enfoiré.
Ce défilé de vaisseaux est ridicule. On devrait être dans notre jacal à monter la garde. L'amiral est du même avis. Alder le sait. Négatif. Aujourd'hui, le RET ne fait pas la guerre, il fait un défilé. Toute la flotte est à Genève? Ça me paraît dingue. On fait ça tous les ans, Soult. Bon, ne manquons pas la fête. Mais je vous en prie, lieutenant. Merci.